Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, dans le cadre des conférences de l'Académie tunisienne des lettres, des arts et des sciences, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le professeur Oum Kulthoum Ben Ahsine, qui célèbre avec nous aujourd'hui la Journée mondiale des zones humides. Cette célébration a un rôle important puisque cette célébration s'est donnée comme mot d'ordre d'agir pour les zones humides, c'est agir pour l'humanité et la nature, et agir, c'est valoriser, gérer, restaurer, mais aussi aimer, aimer cet environnement qui est le nôtre. La conférence qui va être donnée aujourd'hui s'intitule Les lagunes tunisiennes, des espaces naturels remarquables à protéger. Pourquoi les lagunes et pourquoi cette conférence est-elle si importante? Je ne vais pas vous redéfinir les lagunes. Madame Ben Ahsine, notre conférencière ici présente, le ferait certainement mieux que moi. Je dirais tout simplement qu'il s'agit d'un peu de mer dans les terres. Mais je tiens à souligner que c'est important en ces temps de réchauffement climatique de traiter du problème des masses d'eau naturelles, de comprendre leur formation, leur dynamique et leur préservation. Et cela constitue donc un enjeu stratégique pour la biodiversité et ce patrimoine naturel qui est quand même menacé par l'activité humaine doit être protégé, mais comment? Ce qui est remarquable dans la conférence que nous allons avoir, c'est qu'elle se base sur un ensemble de recherches réalisées sur le terrain tunisien, c'est-à-dire sur les lagunes tunisiennes, et justement sur les conséquences des perturbations engendrées par les pressions anthropiques. Les résultats de ces recherches ont permis de proposer des travaux d'aménagement et de réhabilitation qui ont fait à leur tour l'objet d'évaluation. Et ces travaux d'aménagement ont montré qu'il pouvait y avoir des signes d'amélioration dans ces écosystèmes aussi fragiles. Donc, Madame Ben Ahsine nous permettra de tirer les leçons de cette recherche-action qui montre comment des questions posées de façon pertinente et adaptées à notre contexte peuvent apporter des bonnes solutions et avoir un impact. Mais laissez-moi vous présenter Madame Ben Ahsine. Oum Kulthoum Ben Ahsine est professeure émérite des universités. Elle est titulaire d'une licence de sciences naturelles, d'un DEA de biologie marine, d'un doctorat de spécialité en biologie marine et d'un doctorat en sciences de l'Université des sciences de Montpellier. Elle a démarré sa carrière universitaire en 1971 comme assistante à la faculté des sciences de Tunis et ensuite elle a été promue maître assistante et a poursuivi une grande partie de sa carrière à la faculté des sciences de Tunis en ayant une période, disons, où elle se déplaçait à Montpellier et réalisait tous ses travaux de recherche de thèse, d'abord dans le cadre du CNRS, ensuite en tant qu'enseignante à l'Université des sciences de Montpellier. En 1984, elle a donc regagné la faculté des sciences de Tunis et a monté en tant que professeure un laboratoire spécialisé en biologie et écologie marine et elle a pu développer de nombreux axes de recherche sur les écosystèmes, les ressources, les bioressources marines, former et diriger une équipe de recherche, mettre en place un DEA et plusieurs masters. Et donc, elle a pu ainsi former de nombreux jeunes qui ne sont plus jeunes puisque ses premiers étudiants sont actuellement professeurs dans différentes institutions universitaires tunisiennes. Donc, ça, c'est très, très important. Mais Madame Ben Ahsine n'a pas fait que enseigner et faire de la recherche. Ses nombreuses publications
ont été reconnues, et surtout ces participations à de nombreux congrès internationaux et nationaux qui ont été souvent accompagnées de prix. Par exemple, il y a eu 14 prix dans les internationaux et nationaux pour les communications d'elle-même ou de son équipe. Elle a bien sûr beaucoup participé à la vie de l'institution et de la faculté des sciences, mais surtout, elle a aussi eu une activité au niveau associatif, puisqu'elle a monté en Tunisie l'association Femmes et Sciences et qu'elle a beaucoup travaillé dans les réseaux internationaux de recherche et de formation, comme le réseau GRACE ou bien l'Organisation for Women in Science and for the Developing World. Donc, elle a travaillé beaucoup dans ce domaine-là, avec beaucoup d'interactions et aussi des publications. Elle est membre correspondant de l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres depuis 2011, membre du conseil scientifique de la Fondation internationale Sharing Knowledge depuis 2014. Elle a reçu plusieurs distinctions, la médaille Ramal en 2015, décernée par Eurosciences, diplôme des mérites d'honneur et mérite en 2013, décerné par l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres, etc., etc. Le certificat d'appréciation pour services bénévoles exceptionnels, décerné par le Fonds des Nations Unies pour l'environnement mondial, ainsi que différents hommages et distinctions des représentants de la société civile. Donc tout ça nous donne en fin de compte une idée de ce parcours assez riche et diversifié de notre conférencière que nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir à Beit el-Hikma et à travers le département des sciences de Beit el-Hikma. Madame Ben Hassine, vous avez la parole. Merci Amel pour cette belle présentation. Merci Amel pour cette belle présentation. Et je vais donc passer à la conférence. Merci. Diaporama. Alors, les lagunes tunisiennes dont je vais vous parler aujourd'hui sont des espaces naturels qui sont remarquables par leur biodiversité et leur valeur paysagère et patrimoniale. Elles constituent la plupart des masses d'eau naturelles permanentes des zones humides. Voilà pourquoi on parle des lagunes donc aujourd'hui, et représentent une part importante du paysage côtier. Il faut un pointeur peut-être. Ça me connaît. Pointeur. Bon, c'est pas grave. Hein. Je m'excuse. Donc, j'ai dit, elle représente une part importante du paysage côtier, comme vous le voyez sur cette figure. Et parmi elles, les huit principales s'échelonnent du nord au sud sur une portion du littoral d'environ 1 000 km. Ces lagunes diffèrent par leur localisation dans les différentes zones. Donc subhumides, semi-arides et arides. Mais elles diffèrent aussi par la forme, elles diffèrent aussi par la morphologie de leur plan d'eau et par leur superficie. La plus petite est celle de Monastir avec 173 hectares, c'est en rouge sur la diapo, et la plus grande, 50 000 hectares pour la lagune de Bourrara. Elle diffère aussi
par leur profondeur moyenne, la plus profonde étant celle de Bizerte avec 7 mètres et la moins profonde est celle de Monastir avec une profondeur moyenne inférieure à 0,5 mètres. Elles diffèrent aussi par leur zone d'échange avec la mer ouverte, qui peut être indirecte, comme l'Ishkol, donc qui communique avec la mer Méditerranée par l'intermédiaire de l'Ouettinge et de la lagune de Bizerte, ou alors il peut être direct, comme la lagune de Bizerte, qui communique avec la mer par un chenal et un canal artificiel, mais aussi les lagunes nord et sud de Tunis, qui communiquent par des canaux avec la mer Méditerranée. Certaines parmi elles communiquent aussi par des passes, comme la lagune de Ghar el Belh. Suivez la flèche sur la figure. Et la lagune de Monastir, mais aussi celle de El Biben, qui présente différentes communications séparées par des petits îlots. Et ça peut être aussi un canal et une communication, comme le cas pour Bourrara. Ces lagunes diffèrent aussi par leur température, mais aussi par l'ampleur de l'amplitude de leur marée, et les plus fortes amplitudes se trouvent dans la lagune de Bourrara, en rouge, et la lagune d'El Biben, et c'est tout à fait normal parce que ces deux lagunes sont situées sur le littoral du golfe de Gabès, parce que le golfe de Gabès est le seul endroit de Méditerranée avec le nord de la mer Adriatique où les marées sont importantes. Elles diffèrent aussi par leur salinité, mais aussi par la nature de leur fond et par leur végétation qui, comme vous le voyez, a changé au cours du temps à cause des pressions anthropiques dont je vais vous parler plus tard. Alors, ces différences représentent une diversité qui est constitutive donc d'une richesse. Parmi les caractéristiques originales de ces lagunes, il convient de citer leur paysage remarquable et leur valeur écologique exceptionnelle, à l'instar de la lagune de l'Ishkol, qui possède un régime hydrologique spécifique avec un système laguno-lacustre. On va le voir pendant une partie de l'année, avant les aménagements bien entendu. La lagune de l'Ishkol était un lac d'eau douce et pendant une autre partie, elle était une lagune saumâtre. Alors, et la lagune de l'Ishkol forme avec le mont Ishkol et les marais environnants le parc national de l'Ishkol, l'un des rares sites au monde inscrit dans 3 conventions internationales. Réserve de biosphère, site de patrimoine mondial de l'UNESCO et site Ramsar. Ça passe plus, pourquoi? Désolée pour ce petit problème technique. Leur originalité réside aussi en leur richesse ornithologique qui confère à certaines donc d'entre elles le statut de zone importante pour la conservation des oiseaux en Tunisie et de zone humide d'importance internationale. Et sur le tableau, donc parmi les 8 principales lagunes, 6 sont déjà inscrites sur la liste de Ramsar. Vous avez l'Ishkol en 80, Ghar el Melh el Biben en 2007, Bourrara en 2012, Tunis Nord et Sud en 2013. Alors, elles sont aussi remarquables ou originales par leurs espèces et habitats
remarquables telles que donc cette algue calcaire qui se présente sous une forme récifale de 14 km dans la lagune d'El Biben. Il s'agit d'un monument naturel qui semble être le résultat d'une édification qui a pris des nombreux siècles. Il y a aussi dans la lagune d'El Biben la Posidonie, cette espèce endémique de Méditerranée. Et cette Posidonie forme des paysages remarquables dans la lagune d'El Biben qu'on appelle de micro-atolls et qui ont été répertoriés dans des rares localités méditerranéennes. Et à El Biben, cet herbier de Posidonie, avec donc la formation récifale de l'algue calcaire, constitue l'élément patrimonial le plus caractéristique de la lagune d'El Biben. Elles sont aussi originales par leurs engins de pêche précautionnels. Ces engins de pêche sont de la catégorie piège ou pêcherie artisanale fixe. C'est un héritage d'anciennes pratiques basées sur une exploitation durable des ressources naturelles. Ce sont des engins qui prélèvent sans atteinte aux ressources. Et il s'agit d'éléments importants donc du patrimoine culturel. Comme la pêcherie fixe d'El Biben, la plus grande pêcherie de Méditerranée est probablement du monde, avec 3,6 km de long. Alors, ces lagunes qui sont remarquables par leur originalité, par leur biodiversité, par leur importance patrimoniale, à la fois naturelle et culturelle, souffrent malheureusement des effets néfastes de diverses activités anthropiques. On peut donc classer ces pressions en trois catégories. D'abord, la réduction des apports d'eau douce suite à la construction des barrages sur les affluents, et c'est le cas de l'Ishkel. La pêche abusive ou surpêche, c'est le cas d'El Biben, et le rejet de déchets domestiques, industriels, agricoles et même aquacoles. Alors, nous allons commencer par examiner la réduction des apports d'eau douce dans l'Ishkel. Alors, la lagune de l'Ishkel possède un réseau hydrographique bien développé qui draine un bassin versant très important, le triple de celui de Bizerte, avec 6 principaux ouèdes, et ce qui confère à cette lagune une alternance originale. Donc, pendant la saison des pluies, comme vous le voyez sur cette figure que j'emprunte à la MPE, donc avec les apports d'eau douce, le niveau de la lagune donc augmente, la salinité baisse, et suite à l'augmentation du niveau, il va y avoir inondation des marais environnants, et puis déversement de cette eau dans la lagune de Bizerte. Et bon, pendant toute cette période, la lagune de l'Ishkel, donc se déverse, le courant est continu entre l'Ishkel et Bizerte. À cette époque, l'Ishkel est un milieu lacustre. Pendant la saison sèche, l'absence de précipitations, l'évaporation vont entraîner une baisse du niveau et une augmentation de la salinité. À ce moment-là, l'eau marine s'engouffre dans la lagune de l'Ishkel à travers la lagune de Bizerte. Et la lagune de l'Ishkel devient un lieu lagunaire saumâtre. Alors, cette hydrologie particulière permet le développement d'une végétation typique représentée par des potamos.
dans la majeure partie de la lagune, mais aussi des sirpes dans les marais. Et ces pot-à-mots et ces sirpes constituent la principale source de nourriture pour les populations d'oiseaux migrateurs hivernant dans l'Ishkel. Cependant, les besoins de la Tunisie en eau potable et pour l'irrigation a imposé l'élaboration d'un programme de mobilisation des eaux de surface avec 6 barrages prévus au départ dans le bassin versant de l'Ishkel. Alors jusqu'alors, il y a eu construction et mise en eau de 3 barrages. Il s'agit de Joumine en 84. Vous pouvez voir Joumine donc sur le... Non, ça ne marche pas. Ça fait passer l'autre dépôt. Joumine donc en 84, Arzel en 88 et Sejnen en 94. Avec la mise en eau de ces 3 barrages, l'Ishkel a été privé de 46% des apports d'eau douce de son bassin versant. Alors, il y a eu aussi la construction d'une écluse pour réguler et contrôler l'afflux d'eau de mer entre l'Ishkel et la lagune de Bizerte. Mais la gestion de cette écluse est demeurée donc inadéquate jusqu'en 2002-2003. Alors, cette réduction d'eau douce a occasionné le quasi-assèchement des marais, la diminution permanente de la superficie de la lagune, un impact significatif sur les variables hydrologiques et physico-chimiques de l'eau, notamment une augmentation importante de la salinité qui a entraîné des graves changements écologiques dans l'Ishkel. Et vous avez ici les salinités. Dommage que je ne peux pas avec donc la souris vous montrer. Mais regardez avant donc les lignes qui sont colorées. Regardez donc à gauche, toutes ces salinités sont basses et à droite, les salinités sont élevées, plus élevées, mais elles demeurent toujours inférieures à la salinité marine qui est de l'ordre de 37 pour 1000. Alors, ceci explique donc cette originalité de l'Ishkel, à savoir une partie de l'année, c'est un milieu lacustre et l'autre partie de l'année, c'est un milieu lagunaire. Mais maintenant, regardez les lignes qui sont colorées. Donc, à partir de l'édification et de la mise en eau des barrages, vous voyez cette augmentation énorme de la salinité qui a entraîné des changements catastrophiques dans la lagune de l'Ishkel. Ainsi, cette augmentation a entraîné non seulement un déséquilibre de l'écosystème, mais aussi une régression de la végétation clé de l'Ishkel, c'est-à-dire le pot-à-mots dans la lagune et les sirpes dans les marais, qui, à partir de juin 1993, ont commencé à donc régresser dans l'Ishkel pour laisser la place à une autre végétation dont domine donc la rupia, qui, vous voyez qu'en 93, en haut, la figure d'en haut, cette rupia n'était présente qu'à l'entrée de l'Ishkel, dans une petite donc, portion à l'entrée de l'Ishkel. Et elle commence, donc, vous voyez en bas, à envahir, dans la figure en bas, à envahir la lagune de l'Ishkel jusqu'à complètement remplacer, donc, durant l'été 98, la fameuse végétation représentée par les pot-à-mots. Et vous voyez donc sur cette diapo, ce développement
donc énorme de Rupia dans la lagune de l'Ishkol. Ça a provoqué aussi une diminution, donc l'augmentation de la salinité a provoqué une diminution significative du nombre d'oiseaux d'eau. D'après là un peu, la réduction a été par plus de 10, étant donné que le potamo était leur principale nourriture. La diminution aussi de la richesse spécifique des poissons et de la biodiversité en général. L'Ishkol est devenu un milieu inhospitalier pour ces organismes. Et là, vous avez donc un tableau où, dans la colonne de gauche, vous avez le nombre d'espèces qui étaient présentes jusqu'à la mise en service des barrages. Et ils étaient donc au nombre de 13. Après la mise donc en service des barrages, et surtout cette période que je suis en train de vous décrire, donc leur nombre a été, ce sont les poissons commerciaux, leur nombre a été diminué de moitié. Donc imaginez l'impact économique aussi de cette augmentation de la salinité. Il y a eu une diminution de la production de pêche avec une capture d'anguilles nulle, notamment en 2001 et 2002. Regardez là sur ce graphique cette baisse et j'emprunte cette figure à la MPE. Il y a eu aussi des mortalités des poissons. Donc dans un milieu où les salinités sont très fortes, donc c'est au-delà de ce que pouvaient supporter ces poissons, comme celle survenue en 1994 et en 1998, il est clair que la construction des barrages a entraîné la salinisation de la lagune de l'Ishkol et la perte progressive de ses composantes lacustres. C'est ainsi, malheureusement, qu'en 1996, le parc de l'Ishkol a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril. Nous allons maintenant passer à la surpêche, deuxième catégorie de pression anthropique. Et j'ai dit que cette surpêche donc, caractérise la lagune d'El Biben. Depuis 1998, la gestion de la lagune d'El Biben a été confiée à des gestionnaires privés. Avant, c'était des organismes de l'État qui s'occupaient de cette gestion. Il y a eu une succession de plusieurs gestionnaires pour sa gestion, surtout à partir de 2011. Bien entendu, vous connaissez les privés, ce qui compte, c'est le profit. Donc, il y a eu une absence de contrôle de l'exploitation durant plusieurs périodes, une augmentation de l'utilisation des techniques de pêche interdites. Donc, on ne parle plus des engins précautionnels. Donc, vers lequel le poisson se déplace. Ce n'est pas l'engin qui se déplace vers le poisson. Ici, c'est des engins qui se déplacent vers le poisson et qui raclent le fond. L'accroissement anarchique de l'effort de pêche. On pêche de plus en plus, sans penser au lendemain. Donc, par des barques motorisées, alors que sur l'une des photos passées précédemment, vous avez vu des barques à rames dans la lagune d'El Biben. À présent, la lagune d'El Biben donc, souffre surtout de l'impact de cette pêche excessive, avec comme conséquence une diminution drastique de la production halieutique. La production de poissons est passée donc, d'une valeur de plus de 600 tonnes en 64 à environ 163 tonnes en 2006 et à moins de 150 tonnes en 2016. Passons maintenant aux rejets, à la pollution par les rejets et bien entendu leur impact. À l'exception d'El Biben, qui ne semble pas recevoir une pollution d'ampleur significative. Toutes les autres lagunes ont subi
ou subissent encore les effets de rejets polluants d'origine diverse. Voilà pourquoi ces lagunes sont actuellement ou ont été donc dégradées. Celles qui sont actuellement dégradées, c'est la lagune de Bizerte, voire même très dégradée, la lagune de Ghar el-Melh, la lagune de Monastir. Bourrara a été, donc c'est arrivé un peu tardivement par rapport aux lagunes de Tunis, mais en 2007, Bourrara a été donc assainie. Alors, diverses recherches ont été consacrées à l'étude des perturbations dans ces lagunes, à l'exception de celle de Monastir, qui n'a pas bénéficié, à ma connaissance, de recherches significatives. En tout cas, je n'ai pas trouvé dans la bibliographie des documents donc, qui nous renvoient à l'étude des perturbations de la lagune de Monastir. Alors, ces recherches vont nous permettre de connaître l'état de la contamination du sédiment, mais aussi les effets de la pollution. Alors, commençons par examiner la contamination du sédiment. Parmi les lagunes actuellement dégradées, si j'enlève Monastir, pour laquelle je n'ai pas de données, donc ce sont Bizerte et Ghar el-Melh. Donc parmi ces deux lagunes, c'est la lagune de Bizerte qui a bénéficié du plus grand nombre d'études consacrées à l'appréciation du niveau de contamination dans le sédiment superficiel. Ces recherches ont été dédiées à différents polluants chimiques, parmi lesquels seuls les métaux lourds et un composant des pesticides organochlorés, le DDE, ont montré un niveau élevé de la contamination de sédiments. Et ce niveau élevé de la contamination par les métaux lourds a été mis en évidence par différents auteurs et à différentes périodes. Et cela à partir donc du début des années 2000, comme vous le voyez sur ce tableau. Donc on a mis en évidence un niveau élevé dans la partie sud-ouest et sud-est de la lagune. Mais aussi en 2010, donc ce niveau élevé a été encore mis en évidence ou déterminé. Alors vous voyez que pour les autres donc polluants que j'ai mis dans le tableau, le niveau est faible à modéré. Toujours donc niveau faible ou modéré pour les autres donc contaminants, pour les autres polluants. Et là, encore les métaux lourds, niveau élevé, déterminé en 2016, niveau élevé déterminé en 2019 à deux reprises par deux chercheurs différents, ou par deux groupes de chercheurs, excusez-moi, différents. Alors, je vous montre ici les distributions spatiales des concentrations de métaux lourds dans les sédiments superficiels qui ont été déterminées par Barhoumi et collaborateurs, ce sont les collègues du laboratoire de chimie de la faculté des sciences de Bizerte. Et vous voyez que la pollution est généralisée, car toutes ces couleurs indiquent des concentrations de métaux lourds. Bien sûr, les plus élevées ont une coloration orange-rouge, mais donc ces métaux lourds sont présents dans le sédiment, dans tout le sédiment superficiel de la lagune de Bizerte. Et cette pollution généralisée, elle est surtout attribuée par cette recherche au cadmium, au plomb, au nickel et au zinc,
Les concentrations les plus élevées ont été trouvées près des zones urbaines, donc les rejets d'eau domestique et industriels. Alors, la contamination du sédiment à Ghar el-Melh, l'autre donc lagune qui demeure perturbée, les recherches concernant les niveaux de contamination sont très peu nombreuses et n'ont révélé aucun niveau élevé de contamination. Peut-être que Ghar el-Melh mériterait aujourd'hui des recherches plus intensives pour la détermination des polluants au niveau de ces sédiments. Nous allons maintenant passer aux effets de cette pollution. Alors, cette pollution engendre des changements radicaux de la flore lagunaire. Alors, dans les milieux lagunaires écologiquement équilibrés, il y a une végétation, et là je parle de ce qu'on appelle donc les macrophytes, les macroalgues, donc la végétation macroscopique, une végétation formée par ce qu'on appelle des espèces de référence. Ce sont des plantes aquatiques et des algues polio-sensibles, c'est-à-dire qui disparaissent quand il y a une pollution donc importante. Et je vous présente quelques-unes de ces plantes et des algues donc et qui constituent les espèces de référence. Là, nous avons la cymodocée, zoester, rupie et une algue, l'acétabulaire. Par contre, dans les milieux lagunaires écologiquement déséquilibrés, les espèces de référence sont remplacées par des espèces opportunistes qui vont occuper l'espace puisque les autres disparaissent. Celles-ci, excusez l'expression, elles s'en foutent du niveau de pollution, du niveau de nutriments, et elles vont se développer et occuper de manière intensive tout l'espace laissé vide par les autres, ce qui constitue donc un indicateur de la pollution. Quand on a ces plantes constituent un indicateur de la pollution du milieu. Alors, la conséquence, c'est le remplacement de la végétation, donc benthique, à base, donc qui est représentée par ces espèces, donc j'ai dit qu'ils sont polio-sensibles, et la diminution aussi de la richesse floristique spécifique. Le nombre d'espèces diminue parce que les espèces opportunistes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a une, deux qui vont occuper tout l'espace, et donc toutes les autres qui représentaient une richesse vont disparaître. Et là, dans le tableau, je vous ai mis donc la végétation, le remplacement de la végétation de Ghar el-Melh. Regardez, dans les années 70, on avait des cymodocées à gauche, donc dans la colonne de gauche, des cymodocées et des zoosters. Dans les années 80, les cymodocées disparaissent et il y a une algue, la Caulerpa, qui apparaît. Et là, j'ai marqué dans ce tableau les espèces dominantes. Et dans les années 2000, donc, la zooster et la Caulerpa disparaissent pour laisser la place aux rupies et à une algue nitrophile, Cladophora. Et c'est vrai que je vous ai présenté la rupie parmi les espèces de référence. Elle était la dernière, si vous avez remarqué, parce que c'est la moins sensible. Elle est sensible, mais c'est la moins sensible. Bon, dans
la lagune de Tunis nord et sud. Alors, j'ai essayé de vous les mettre, même si aujourd'hui, donc, c'est des milieux qui sont complètement assainis et réhabilités. Regardez, dans les années 30, nous avons les eaux austères, AC tabularia, que j'ai mis parmi les espèces donc, de référence, mais il y avait les ulves déjà qui sont des espèces nitrophiles opportunistes. Mais elles n'étaient pas donc seules. Elles n'étaient pas, il y avait d'autres espèces. Elles n'étaient pas donc parmi la seule dominante. Ensuite, dans les années 80, il ne restait plus que les ulves. Nous allons voir plus tard qu'après l'assainissement, ces ulves ont disparu et ont laissé la place à des espèces que j'ai qualifiées de référence. Il en est de même pour la lagune sud de Tunis. À Bourrara, c'est exactement la même chose. Donc, sans trop m'attarder, il y avait dans les années 70 la zoosphère et même la Posidonie. Donc, ces deux espèces, elles étaient surtout la zoosphère dominante. Alors, elles ont disparu. Elles ont laissé la place à d'autres moins sensibles, mais surtout, elles ont laissé la place donc à des espèces qui sont opportunistes et nitrophiles. Il y a comme conséquence aussi, comme impact, l'eutrophisation, l'hyper-eutrophisation, voire de ces milieux. Alors, c'est quoi l'eutrophisation? C'est l'accumulation des nutriments. Vous savez, quand vous avez ces quantités donc très importantes de ces algues nitrophiles, elles ont un cycle et à la fin du cycle, elles meurent et elles sont décomposées et le milieu s'enrichit donc en matière organique. Alors, ça va modifier les équilibres biologiques parce que les espèces, donc, elles ont un maxima au-delà duquel elles donc en sel nutritif, elles ne se développent plus. Et un minima en deçà duquel ne se développe plus. Mais ces espèces opportunistes, elles se développent à n'importe quel seuil, donc à n'importe quelle teneur en sel nutritif. Ça va provoquer un déséquilibre donc écologique qui est caractérisé par ce qu'on appelle des crises dystrophiques. La dystrophie, c'est le cas extrême de l'eutrophisation. Alors, ces crises dystrophiques sont caractérisées par, donc, au départ, la prolifération de ces algues nitrophiles. Ensuite, donc, j'ai dit à la fin du cycle, donc, elles meurent. Il faut qu'il y ait des bactéries pour la décomposition de cette matière organique. Ces bactéries sont consommatrices d'oxygène, il va y avoir anoxie, donc absence totale d'oxygène dans le milieu et mortalité massive de poissons. Les poissons vont mourir asphyxiés, des marées rouges et des odeurs nauséabondes, donc à cause de l'hydrogène, donc sulfuré, dégagement d'hydrogène sulfuré. Qui n'a pas connu donc, ces nuisances dans les lagunes nord et sud de Tunis. Alors, ces efflorescences qui peuvent être soit donc, causées par des macro-algues ou ce qu'on appelle communément les micro-algues et qui sont des éléments du phytoplancton, donc, prévalu dans la lagune de Bizerte. Et les efflorescences des micro-algues, donc des éléments phytoplanctoniques, deviennent régulières dans la lagune
de Bizerte, avec des espèces, avec même des espèces nuisibles et même toxiques. Et nuisibles quand elles provoquent des nuisances pour, par exemple, elles sécrètent une espèce de mucus qu'on appelle mousse et qui vont colmater les filets ou enrober les organismes. Et toxiques, elles sécrètent des toxines qui sont néfastes pour les organismes aquatiques et même pour l'homme. Elles ont, ces efflorescences, prévalu à Ghar el-Melh. Et à Ghar el-Melh, aussi bien par les macro-algues que par les micro-algues. Et les efflorescences par les cladophores constituent, d'après les auteurs que j'ai marqués dans le tableau, une menace permanente donc, de bloom qui va donc provoquer ce phénomène d'eutrophisation. Dans la lagune de Ghar el-Melh, il y a aussi des efflorescences à base de micro-algues, d'éléments phytoplanctoniques. Ils sont, dans certaines espèces, sont potentiellement toxiques. Et ces efflorescences ont même provoqué des mortalités de poissons, comme en 1995-1996 et en 2007. Elles ont, comme vous le savez tous, prévalu dans la lagune donc nord de Tunis et la lagune sud. Et à Monastir, pour laquelle j'ai dit que je n'ai pas beaucoup d'informations, j'ai trouvé qu'il y a eu des marées vertes, donc c'est des macro-algues. Quand il y a des marées vertes, c'est les macro-algues comme l'ulve, donc c'est ulva qui se développe, qui donne des marées vertes. Et puis, à la fin du cycle, elles sont décomposées donc, par les bactéries et avec anoxie donc, chronique. On a parlé d'anoxie chronique dans la lagune de Bizerte, de Monastir, pardon, excusez-moi, je crois que je suis revenue en arrière, de Monastir. À Bourghara, donc jusqu'en 2007, donc l'achèvement de l'assainissement de Bourghara, Bourghara a connu aussi des efflorescences phytoplanctoniques, avec des espèces donc nuisibles et qui étaient de plus en plus fréquentes depuis les années 90 et jusqu'à la fin des années, enfin jusqu'à 2007, et qui ont provoqué la mortalité des poissons qui sont élevés dans des cages à l'intérieur de la lagune. Et ce qui a fait que cette pisciculture qui avait une production très importante, a fini par donc disparaître. Ensuite, il y a eu des mortalités, pas seulement des poissons sauvages, mais aussi même des poissons élevés à terre dans des bassins et qui puisaient leur eau donc dans cette lagune. Alors voici, je vous présente ici les marées vertes. Donc ça, c'est Ulva à droite. C'est dans la lagune de Tunis avant son assainissement, avant la décomposition. Et ici, je vous ai montré donc la couleur d'Ulva quand elle meurt à la fin du cycle. Et ces marées rouges au niveau du lac nord de Tunis et au niveau du lac sud, avec des mortalités de poissons. Ici, nous avons mortalité d'anguille à Tunis Nord et mortalité de poissons, d'autres poissons, donc dans la lagune de Tunis Sud. Alors, je vais vous parler maintenant des effets biologiques, de l'impact sur les organismes. Alors, pour cela, je vais donc me référer à aux travaux d'une thèse qui a été soutenue en 2010 à la Faculté des sciences de Tunis. Et donc l'auteur de cette thèse a
mis en évidence des déformations vertébrales chez des petits poissons de la lagune de Bizerte. Il s'agit de petits poissons qu'on appelle les gobies et qui sont des bio-indicateurs performants parce que ce sont des poissons qui sont sédentaires, qui ne se déplacent pas beaucoup, qui sont benthiques, qui vivent sur le fond et qui ont une longévité appréciable qui permet de refléter donc ce qui se passe dans leur environnement. Et vous voyez donc ces déformations, ces anomalies vertébrales sur les radiographies du bas sont à différents endroits, donc de la colonne vertébrale, et de différentes formes. Et en utilisant une approche multiparamétrique, c'est-à-dire, elle a analysé le niveau de contamination dans le sédiment. Elle a extrait les composés organiques du sédiment et elle a testé ce composé sur 3 lignées cellulaires. Elle a utilisé 4 biomarqueurs, 4 marqueurs biochimiques, donc, et ensuite, elle a fait une analyse en composante principale qui lui a permis de mettre en évidence une corrélation positive entre les pourcentages des poissons déformés, la contamination du sédiment par les PCB et les HAP, mais aussi par les métaux lourds et les organométalliques. Et ces résultats soutiennent une détérioration métabolique chez les poissons dû à une exposition chronique au polluant. Mais Louise a mis également en évidence des perturbations de la reproduction avec des anomalies au niveau des ovocytes, donc chez les femelles. À gauche, vous avez l'ovaire normal d'une femelle et à droite, donc, vous avez les anomalies au niveau des ovocytes, mais aussi au niveau des testicules des mâles. Et grâce à l'utilisation de cette approche multiparamétrique, elle a pu mettre en évidence aussi une corrélation positive entre la prévalence de ces lésions histologiques des gonades et le taux de contamination chimique des sédiments. Et les contaminants sont soulignés en rouge dans le tableau. Donc, vous avez donc, les contaminants sont donc, sur ces tableaux que vous pouvez examiner si vous souhaitez l'examiner, je peux le remettre par la suite pour ne pas trop tarder. Alors, elle a mis en évidence une implication des perturbateurs endocriniens. Alors, après les effets biologiques, il y a aussi la réduction de la richesse spécifique de la faune et le déclin de la pêche. Nous avons dans les deux lagunes qui demeurent perturbées et dégradées, Bizerte et Rar el Melh. Si je prends Bizerte, au cours de la décennie donc 1895-1905, c'était l'une des lagunes les plus poissonneuses du monde, d'après Salvatore 1900. J'ai trouvé cette référence chez Zawelli. Dans les années 80, les statistiques de la production piscicole ont montré 30 espèces de poissons d'intérêt commercial. À présent, la productivité piscicole annuelle enregistre une baisse qui s'accentue d'une année
à l'autre, avec aussi une réduction du nombre d'espèces qui fréquentent cette lagune. Parce que les espèces commerciales dans ces lagunes proviennent de la mer, elles pénètrent à l'état juvénile et elles passent, donc elles grandissent dans ces lagunes et ne retournent en mer que pour se reproduire. Donc quand ces milieux deviennent donc inhospitaliers, ces espèces marines ne pénètrent plus. À Gharr el-Melh, depuis 1994, il y a une diminution de la richesse biologique, donc toute espèce confondue, et la réduction des ressources de pêche. Passons maintenant aux travaux de réhabilitation et de restauration. Alors, dans l'Ishkol, donc, après surtout l'inscription de l'Ishkol sur une liste, donc, donc est devenue en péril sur le plan international, un milieu en péril. Donc, on a fourni un effort pour faire une gestion hydraulique. Surtout que tous les éléments sont là, donc il y a l'écluse, et il y a la possibilité, quand c'est possible, de faire des lâchures à partir des barrages, à condition que ces barrages soient, bien sûr, pleins, ces réservoirs soient pleins. Alors, il y a eu une gestion des apports d'eau douce par les lâchures d'eau des réservoirs, et ça, c'était fait durant les années, notamment, humides. Et la gestion des échanges avec la lagune de Bizerte par la réhabilitation de la gestion de l'écluse. Et puis, la mise en place par la MPE d'un suivi scientifique. Ici, vous avez donc l'écluse avec ses différents éléments. Les lâchures d'eau des barrages, telles que donc indiquées par la MPE en 2010, vous voyez, ça a été fait surtout. Donc, ça, c'est envers, c'est le niveau donc normal d'apport d'eau douce, la quantité normale. Et le reste, donc en bleu foncé, ce sont les lâchures d'eau. Et il y a eu donc pas mal durant, une quantité importante durant les années humides. Alors, ça a été suivi d'une restauration environnementale. Il y a eu une baisse de la salinité avec des valeurs faibles à très faibles pendant la majorité de l'année et entre 1 à 2 grammes durant l'hiver. Donc, on est revenu au système, et le printemps, au système lacustre. L'inondation prolongée des marées, la réapparition des prairies de pot-à-mo dès l'été 2003, la recolonisation des marées par une végétation donc hygrophile, notamment les surques, avec des recouvrements très importants, la reprise de la fréquentation des oiseaux d'eau hivernants. Et je reviens à mon tableau de tout à l'heure. Alors, regardez donc les lignes colorées, passées la mauve et la jaune. C'était la période de l'augmentation importante de la salinité. Après, donc, les années humides et les lâchures d'eau dans la lagune de l'Ishkol, regardez, on est revenu au système, à l'alternance, donc laguno-lacustre du départ. La dernière ligne, donc, du bas. En 2008, le parc de l'Ishkol est retiré de la liste du patrimoine mondial en péril. Cependant, la survenance de ces épisodes de baisse des apports d'eau douce avec perturbation des alternances saisonnières caractéristiques a fragilisé l'écosystème. Il y a un impact négatif significatif. Parce que bien entendu, les années où il n'y a pas beaucoup de pluie, on ne fait pas des lâchures dans l'Ishkol, ou on ne fait pas beaucoup, on ne fait pas la quantité
suffisante, avec notamment la réduction du nombre d'espèces de poissons et la diminution de la production halieutique. Dans le contexte du réchauffement climatique dont tu as parlé tout à l'heure, Amel, l'augmentation de la sécheresse et la rareté de l'eau douce ne peuvent qu'exacerber les conflits entre les utilisations humaines et environnementales et très probablement aboutir à la dégradation permanente de l'Ishkol. Je ne veux pas être pessimiste, mais l'éventualité existe. Alors, pour les autres lagunes, les travaux de réhabilitation, les travaux d'aménagement ont consisté pour la lagune, donc nord et sud de Tunis, un important programme d'assainissement qui s'est achevé en 1988 pour le lac nord et en 2001 pour le lac sud. Dans la lagune nord de Tunis, ces travaux d'assainissement ont consisté à la réduction des rejets anthropiques par l'assainissement urbain, notamment le traitement des eaux usées par la création d'une station d'épuration et l'interception et la déviation des rejets d'eau pluviale, par l'élimination de la matière organique et des polluants par le dragage du fond, l'augmentation de la circulation et des échanges d'eau avec la mer et la réduction du temps de séjour de l'eau dans la lagune. Alors voici la lagune nord de Tunis avant les aménagements. Les points rouges sont les points de rejet et donc les triangles rouges. Et le triangle bleu, c'est la zone donc, où il y a un renouvellement des eaux. Donc, vous voyez qu'il y a un confinement dans pratiquement la majeure partie de la lagune. Et voilà, donc, ces aménagements dont j'ai parlé. Donc, regardez maintenant, on a construit une digue pour essayer, donc depuis l'écluse de Khairdine jusqu'à l'île Chekli, pour essayer d'orienter la circulation de l'eau et surtout donc la rendre rapide, et puis les détournements donc des rejets, comme vous le voyez ici, détournements vers Choutrana, les eaux pluviales donc vers le port de Tunis, le canal de navigation. Et donc, la lagune de Tunis a été assainie suite à ces travaux. Dans la lagune sud de Tunis, les travaux d'assainissement ont aussi consisté au détournement de tous les rejets des eaux usées industrielles et domestiques vers cette fois-ci la station d'épuration de Ben Arous et du rejet des eaux pluviales vers le port de Tunis. Le dragage des sédiments du fond qui sont riches en nutriments et en métaux lourds. Et la réduction de la surface du lac avec des berges rectilignes et la réalisation des remblais du reste. Alors sur les schémas, regardez comment c'était la lagune. Il y a l'ancienne donc limite du lac de Tunis. Donc, on a réduit sa surface et on a aussi augmenté la circulation et les échanges d'eau avec la mer et réduit, comme pour le lac Nord, le temps de séjour de l'eau dans la lagune. Alors, quelles sont les conséquences de ces travaux de réhabilitation? Dans les deux plans d'eau, il y a eu une amélioration
de la qualité de l'eau et des sédiments, un changement de la végétation, un déclin des espèces végétales tolérantes à la pollution et l'installation des espèces végétales de référence, donc qui sont polio-sensibles. Et voici de nouveau ce tableau de la végétation. Donc, regardez le changement. Donc, il y avait que les ulves dans les années 80, aussi bien dans la lagune nord que sud. Et maintenant, nous avons une diversité d'espèces. Voici, par exemple, dans la lagune de Tunis sud, les ulves ont laissé la place à une végétation diversifiée où domine la cymodocée, l'espèce de référence, et la fameuse colerpe, donc méditerranéenne, colerpa prolifera. Il y a eu aussi la disparition des récifs d'une espèce d'annélide opportuniste qui, dans la lagune nord de Tunis, construisait des récifs qui augmentaient le confinement. Et ces récifs étaient implantés au milieu des champs d'ulves. Donc, cette espèce opportuniste a disparu. L'augmentation de la diversité, donc des espèces floristiques et faunistiques. Dans la lagune nord de Tunis, il y a eu une étude qui confirme donc l'augmentation de la diversité, et cette fois-ci la diversité de la faune, des animaux macrobentiques, donc qui vivent, macroscopiques, qui vivent sur le fond de la lagune nord de Tunis. Il s'agit donc du travail de Diawara, donc dans notre laboratoire, et vous voyez les nombres de stations prospectées avec même une station de référence en mer. Et voilà le résultat de cette étude, c'est la diversité numérique des différents groupes taxonomiques, donc la diversité faunistique du macrobentos est revenue dans le lac Nord de Tunis. Un autre travail aussi de notre laboratoire de Klieg, donc, et ses collaborateurs, a montré, je vous disais que les espèces, donc certaines espèces marines fréquentaient les lagunes quand elles sont donc des milieux hospitaliers. Et là, retour donc des espèces marines, donc tout ce qui est en vert olive sont des espèces marines qui sont mis en évidence donc au cours de cette étude. Je vais passer maintenant à la lagune de Bourrara. Les travaux d'assainissement de la lagune de Bourrara ont consisté en un dragage, mais aussi l'élargissement de la passe au niveau de l'Kantra, ce qui a permis une intensification des échanges d'eau entre la lagune et la mer, donc la circulation de l'eau. L'eau donc circule plus rapidement et plus aisément au niveau de la lagune. Alors, les conséquences de ces travaux d'assainissement sont l'amélioration, donc des signes évidents d'amélioration, une régression de teneur en nutriments. Les teneurs en sel nutritif, donc, sont, après ces travaux, nettement meilleures que celles relevées avant les aménagements. Et dans tous les cas, elles sont inférieures au seuil d'eutrophisation et sont aussi inférieures à celles relevées par la DGPA et par CTAT, donc en 2007,
juste à la fin des travaux, mais en 2000, la DGPA a donc supervisé un programme d'études diagnostiques avant l'aménagement. Et là, donc, on trouve donc des teneurs assez élevées, alors que maintenant, les teneurs sont inférieures à ces teneurs-là. Il y a eu donc une amélioration des conditions environnementales de l'écosystème de la lagune de Bourrara. Que puis-je vous dire en conclusion? Moi qui ai vécu les nuisances des lagunes nord et sud de Tunis, je ne peux que partager ce qu'a dit Abdeslam Sihili et ses collaborateurs en 2014, à savoir que la restauration du complexe lagunaire de Tunis est incontestablement une success story. Et j'espère que cela va se répéter pour Bizerte, Ghar el Melh et Monastir. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, vraiment, pour cet exposé très exhaustif qui fait une démonstration dans le temps et dans l'espace et qui montre qu'en fait, lorsqu'on fait les choses de façon méthodique, les solutions existent et c'est bien, et elles existent, disons, durant la vie d'un chercheur. Parce que quand on voit des impacts d'une recherche avec des recommandations et que sur la base de ces recommandations ou de ces remarques, on arrive à obtenir justement des travaux qui s'échelonnent sur un certain nombre d'années, mais et ensuite qu'on évalue l'impact de ces recommandations et de ces travaux d'aménagement, eh bien, ça donne beaucoup d'espoir. Ça donne beaucoup d'espoir pour dire qu'il faut surtout pas se croiser les bras en disant « ça n'est pas de mon ressort, moi je fais une petite recherche ou je fais ma petite recherche dans mon petit coin et je n'ai pas d'impact ». Ce n'est pas vrai. Ce que je peux vous assurer, c'est que toutes les recherches ou la plupart des recherches qui se font actuellement dans les laboratoires tunisiens peuvent avoir un impact parce que toutes partent du terrain tunisien et des observations faites, que ce soit dans le domaine de la santé, dans l'environnement, dans de l'économie, toutes partent de notre environnement et des solutions peuvent être proposées. Souvent, ces solutions existent dans les bibliothèques et dans les thèses et elles ne sont pas, disons, elles ne sont pas suivies des faits. L'intérêt de ce que vient nous raconter Madame Benhassine, c'est que cette recherche était une recherche-action qui a eu un impact sur le terrain et qui est un exemple à suivre pour toutes les recherches qui sont en train de se dérouler actuellement en Tunisie. Voilà. Alors, est-ce que, oui, vous avez une question à poser? Enfin, je me présente, Belloussaïf Abdelazer, je suis Belloussaïf Abdelazer. Bon, je suis un adepte de Beit al-Hakma depuis 15 ans. Bon, ça, toutefois, allez, j'ai la conférence à dire. Pour la simple raison, j'ai assisté à des conférences similaires le Mujtama al-Madani, il a réalisé que vu ça. Je suis docteur en économie, une société civile et tout ça. Bon, je m'intéresse à ces problèmes-là. Pourquoi? Dans le but, c'est toujours la valorisation de la richesse de notre patrimoine et des lagunes. Je vous remercie d'avoir bien vraiment une étude approfondie, une recherche et tout ça. Toutefois, quelles sont les solutions que vous avez proposées? Il y a des solutions. Comment les solutions? Nji, par exemple, je connais le lac Ishkel, enfin le lac avec lagunaire, Ishkel.
عملوا فيه معناتها ديزاين ان بيبليوتيك شنو اللي فيه كيفاش واه بون عندنا شو اسمه هذه اللاك دو سيد علي المكي سيد علي المكي بو رابلي بون دون غار الملح اي انا ولا افيك لا غروسو مودو سون qui est formé d'autres parties, donc, la lagune de... Donc, il faut une, un il y a un problème de sensibilisation. Vous le faites à Maltou-Ottawa. Ça, c'est un point. Deuxième point, comment valoriser cette richesse par l'intermédiaire d'eux, par l'intermédiaire de la société civile, par l'intermédiaire de, s'il le faut, du côté, ce qu'on appelle information, les masses médias et tout ça, parce que c'est un problème vraiment très très important pour garder l'équilibre de l'écosystème, d'un point, de deux points, c'est une richesse économique. Moi, je suis économiste, qu'est-ce que ça rapporte comme du côté culturel, du côté, comment dirais-je, disons, patrimonial et tout ça, c'est très important. Ce que vous avez avancé, ça c'est très important, mais toutefois il faut le valoriser. Ce n'est pas par la politique et tout ça, mais par la société civile, c'est-à-dire les intellectuels et tout ça, avec la sensibilisation. Voilà, pour, je n'ajoute pas autre chose. Vous avez tellement pris, l'événement, c'est déjà, je t'appelle à quelqu'un qui s'intéresse à ce sujet-là, c'est très rare. Toutefois, il faut le valoriser. Voilà, je vous remercie. Donc, vous préconisez, à part les études, le rôle de la société civile pour la sensibilisation. Bien sûr, c'est important. Messieurs, vous avez parlé de la lagune de Sidi Ali El-Mekki. Vous savez, à Ghar el-Melh, par exemple, ce qu'on appelle Gisèle, disait ça. Je vais donner un exemple pour la sensibilisation concernant la lagune de Sidi Ali El-Mekki. Bon, vous avez d'ailleurs une antenne de Medouet, et je pense aussi à Ghar el-Melh. Hein? Oui, c'est Ghar el-Melh. À Ghar el-Melh. Hein? Et je pense qu'il y a aussi une association qui est liée à Ramsar. Ou, oui, oui, Ramsar. Voilà. Bon, c'est alors, vous bon. Savez qu'il y a eu, comme pour Bourrara, en 2000, il y a eu une étude de diagnostic qui a été pilotée par la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture et qui a abouti à des conclusions pour l'amélioration de la lagune de Ghar el-Melh. Alors, qui s'est opposé? C'est les politiciens. Les pêcheurs, les représentants de la société civile qui ne partageaient pas l'avis des scientifiques. Bon, c'est pour ça que Bourrara a été assaini et Ghar el-Melh tarde. Et notamment, ils n'ont pas voulu qu'il y ait la création d'une autre communication, un autre bourras, soi-disant, il va y avoir une marinisation de la lagune de Ghar el-Melh. Mais de toute manière, les poissons qu'ils pêchent à l'intérieur de la lagune et qui ont une valeur commerciale sont des poissons marins qui pénètrent dans la mer, qui grandissent dans la lagune. Donc voilà, des fois, il y a des conflits entre les populations locales, les scientifiques, les décideurs qui font que les choses tardent à venir. Regardez Bizerte, il y a un projet à Bizerte pour justement la dépollution du bassin versant. Vous savez, depuis les débuts des années, 2010, non, avant, 2000, avant 2000, 2000, 2008. 2000, 2000, 2005 ou 2004. Disons, je me rappelle bien, jusqu'à présent, et il y a des fonds internationaux qui sont mobilisés. Ah oui, donc, il y a d'abord les lenteurs de l'administration, et puis vous avez ces conflits d'usage entre les différents intervenants.
Excusez-moi, moi je voudrais poser une question par rapport à la, disons, au processus, parce que là, on est là face à un processus. On diagnostique un problème, on le décrit en tant que scientifique. Et le scientifique ne peut pas avoir un impact quand il a face à lui toute, disons, il y a la population, il y a les acteurs économiques, il y a les décideurs politiques. Il y a... Alors, ce que je veux savoir, c'est pourquoi dans certains cas ça marche et pourquoi pas dans d'autres. Et pourquoi ce qui a été le modèle de Tunis et de Bourlala, pourquoi ne pas le répliquer dans les autres cas? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a déclenché? Quels sont les facteurs déterminants qui ont fait que dans ces processus d'assainissement, dans ces exemples-là, ça a réussi et pas dans d'autres? Et donc, il y a dû y avoir un ou deux facteurs qui ont été décisifs dans cette affaire. Lesquels? Alors, pour Tunis, c'est les nuisances répétées, donc qui a gêné tous les habitants de la capitale. Personne, aucun intervenant, donc ne pouvait dire parmi les industriels ou parmi ne pouvait dire non, je ne veux pas ou je retarde. C'était, on est arrivé donc à un état de dégradation et de pollution et des odeurs pendant la période chaude que c'était impossible de continuer. Pour Bourlala, alors, ceux qui avaient un intérêt, c'était les pêcheurs, mais les pêcheurs eux-mêmes. Vous savez qu'à Bourlala, il y a eu une migration des pêcheurs. Parce que quand le golfe de Gabès a été pollué par les rejets donc des industries chimiques, beaucoup de pêcheurs, notamment les pêcheurs, enfin les pêcheurs de la pêche artisanale, ont migré vers Bourlala. Imaginez ces gens qui ont changé donc complètement leur vie, enfin, qui sont partis vivre ailleurs pour voir, donc avoir de quoi vivre. Et ils voient que donc la réduction de la production, enfin la production baisse, ils ne trouvent plus de poissons à pêcher. Et donc les professionnels de l'aquaculture, il y avait deux piscicultures, une en cage à l'intérieur de la lagune et une autre à terre dans des bassins. Ils ont tout perdu à cause des... Ils n'ont rien à dire. Et puis, à Bourlala, on a donc élargi le Kandra, on a construit un beau pont, je ne sais pas si vous l'avez pris, en démolissant l'ancien pont et même une petite partie de la chaussée romaine. Et donc maintenant, ils n'ont plus de problème. Ils n'ont plus de problème de mortalité, de poissons sauvages, etc. À Bizerte, tu as une concentration d'industries sur le bord de la lagune de Bizerte, notamment au niveau du canal. Tu as les activités agricoles, tu as les rejets donc, des municipales, les rejets de l'ONAS. Et tous ces intervenants exercent des pressions. Tous ces intervenants, sans compter les pêcheurs eux-mêmes. Les pêcheurs de Mazel Abderrahmane, ils exercent et ils ont des connaissances qui ne sont pas scientifiques et ils croient, par exemple, ceux de Ramleh croient que si on ouvre une autre passe, eh bien, ils ne vont plus avoir de poissons. Alors que maintenant, ils peinent à pêcher quelques poissons pour nourrir leur famille. Voilà le problème, donc. Et c'est vrai que la sensibilisation... Bon, les scientifiques doivent descendre sur le terrain, peut-être,
Ils sont déjà. Mais je vous donne d'abord la parole à Sylvain. Merci. Oui, allez-y. Je voudrais vous remercier pour cet exposé qui est extrêmement riche et qui débouche sur des succès dans des zones d'une extrême importance économique, écologique, sociale. C'est le visage de la Tunisie qui a été changé et on pensait pendant extrêmement longtemps qu'il était impossible que les choses changent. Vous avez évoqué des raisons pour lesquelles cela a évolué positivement. C'est l'acuité des problèmes posés à un si grand nombre d'habitants. Mais je crois qu'il y avait aussi un deuxième phénomène qui a permis la résorption du problème, c'est qu'il y avait des capitaux en jeu. La zone était une zone d'intérêt public avec l'État qui venait avec les terrains et l'associé saoudien qui avait énormément de capitaux et qui a consenti à ce que des investissements considérables aient eu lieu. Je pense que sans les Saoudiens, l'opération aurait eu beaucoup plus de mal à être réalisée. Mais il est vrai que le plus bel endroit de la Tunisie d'aujourd'hui, c'est ce lac-là qui n'a pas à rougir du lac Léman ou des autres très beaux lacs mondiaux. C'est une belle opération. Je voudrais vous demander ce que je connais moins mal. C'est le lac de Bizerte et le lac Ishkol. Est-ce que leur réhabilitation, leur mise en valeur serait coûteuse? De quoi a-t-on le plus besoin? A-t-on le plus besoin de capitaux, d'une volonté d'État qui impose la volonté générale à des intérêts particuliers, ou est-ce la complexité des problèmes écologiques qu'il faut résoudre? Merci pour cette question pertinente, c'est Mahmoud. Moi, je pense que c'est la volonté, parce que les sous, ils en ont eu pour l'assainissement du bassin versant de Bizerte, du bassin versant, c'est ça, la dépollution du bassin versant de Bizerte, à tel point qu'ils ont fait deux études de diagnostic confiées à des bureaux, à un consortium de bureaux d'études à chaque fois différents. Donc, comme si les données ont changé entre-temps. Ils ont de l'argent. Il y a l'Europe qui a mis, vous avez parlé des Saoudiens pour la lagune nord de Tunis, mais là, il y a l'Europe, il y a la France aussi, et qui ont mis de l'argent pour cette dépollution. Mais c'est la volonté, comme vous avez dit, d'exercer des pressions sur ceux pour lesquels certains usagers, ça représente un conflit donc, d'usage. Et quand on dit volonté, c'est volonté des acteurs sur le terrain ou volonté politique? Volonté des deux. Politique. Volonté politique. C'est l'État. Oui. Oui, vous voulez? En français, parlons des faits. Pour le lac du Ishkel. Oui. Moi, j'habite Mazel Bourguiba. Enfin, je suis né là-bas. Comment on a sensibilisé ce problème-là? Suite à une visite, à Tours, à Angleterre, je crois le prince. Bon, j'ai l'ishkel. Ou hattou ha fil mandouma al-muhafaza al-al-bi'a al-amiyan manat-kadouma, c'est-à-dire n'aiment l'investissement pour garder cette beauté. Et on dit cette beauté-là. Bon. Toutefois, tu as fait le lac Ishkel, il a été fait. Mais, dans Ishkel, il y a الطيور المهاجرة تمشي من في الوقت هذاك كل شيء انا جيت في لاسوسياسيون تاع سوفغارد دي باتاتي دي مونجوناج
سيتي مع سلهيلي تو سا بون بور غاردي هاك الفون هذاك وهاك الكيليبر وكي تعملت الامور على المستوى الامم المتحده فما فلوس تعطات كل شيء توت فوا نسين سي عبد القادر بعد الفلوس ايتي يوتيليزي اوترومون ما نقولوها بكل لطف مي سا نمبيش جوسكا مانون فما اسوسيسيون تا سوفغارد دو باتريمون dont maintenant fait un membre, on milite, nous avons des randonnées et tout ça. Mais vous avez, disons, une certaine sensibilisation avec les faits. Nous avons ce qu'on appelle les bas morts, les tramlos radiques, ou cliché. Bon, c'est grâce, disons, à la société civile, les tramlos. Mais toutefois, les pouvoirs politiques, je le dis, je le répète, حتى اللي اسم الميري وكالحكاية الولاية وكل شيء يقول لك بو داكور نعمل وكل شيء مي جي دي بريوريتي اتنسيون عنده دي بريوريتي قبل هذاك وكل شيء سا سي تريز امبورتون سي لو بوليتيسيان كي دي سا سي با موا لو سوسيتي سيفيل بون سي لوجيك مي توتفوا فما اون سارتين ريشيس كيل فو غاردي qu'il faut investir et tout ça. Mais حتى كي تجي الفلوس نتاع الوحده نستعملوها في d'autres utilisations. Ça, on le dit. Aussi bien pour Ishkel, aussi bien que pour l'autre, غير الملح. غير الملح, c'est une richesse. Mais شكون اللي يفهمني واحد؟ أنا جي ديسكوتي مع الناس اللي les associations, كل شيء. يقول لي, bon, on trouve des difficultés, des grandes difficultés pour faire. Il faut le politique quand même, c'est واحد فما فلوس تحط فما كل شيء. Ah ouais, هنا les Allemands, ils investissent ça, pour garder notre richesse. Ça c'est très important. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là qui est vraiment très très important. فما la volonté politique, ça je suis d'accord. Mais aussi فما le problème d'efficacité, في وقت شنو المشكل نتاعك انت في وقت. يقول لك انا باش نعمل كي enfin, je suis économiste, on a comment le politicien, c'est comme ça. Il dit, bon, après tout, on a mis le flou ici, ou on a mis le flou ici, on a mis le flou ici, on a mis le flou ici. Il dit, c'est une question de richesse que je vais gagner, qui n'a pas le avec le واحد هذاك باش نربح نجيو تولي معناتها زون توريستيك تولي ما عرف شنو اون ريشيس اي تو سا كي فو اكسبلواتي لي ماروكان ils l'ont fait attention nous non pourquoi je sais pas donc je pense que concernant Ghar el Melh, vous avez dit qu'on peut, je pense, avoir bien entendu, accélérer le processus en essayant de les inscrire sur des listes, etc. Vous savez, il y a eu l'étude diagnostique en 2000 de Ghar el Melh. Ghar el Melh a été inscrite sur la liste Ramsar. Elle risque, elle est très dégradée. Elle continue à être très dégradée. Rien n'a été fait et elle risque d'être retirée de cette liste si ça continue. Comment dirais-je, les ingénieurs. معناتها في الايكولوجي تو سا واحد مو من غير ملح جاو وقتها عملنا سيمينار في مشت تو سا في 5 موا 6 موا اي با هذوما ايلون فوكي لي بروبليم سو سون دي بروبليم دوردر بوليتيك الفلوس موجوده توت فوا كيفاش انا هي يعني ستادير لا بريوريتي سا لو بوليتيسيان يقول لك لا بريوريتي شنو عندي انا باش نعمل Toutefois, le problème est identifié, maujoud, tout le chose. Ou femme, c'est vrai, le coup d'aller, madame, avec les conflits, les pêcheurs, le coup d'aller, bon, où je suis, où je suis, où je suis. Mais le problème important, c'est ce qu'on appelle l'équilibre du système, de l'écosystème. Ça, c'est très important. On pense avec un bad, on ne pense pas des libres qu'on va récupérer, tout ça. C'est question de mentalité, question de culture. Est-ce que nous avons cette culture
نتاع البيئه ما عندناش. سي فري باسكو لو كوتي ايكونوميك هو كي كي بلان افان هذا معناتها فكره سي ديفلوبي. جو ميرسي. Bon, je vous remercie pour l'ensemble de ces commentaires et de cet intérêt pour cette conférence qui est importante parce qu'elle montre qu'il y a un processus et quand il y a une volonté et quand les intérêts convergent, on a les capacités sur le plan scientifique et sur le plan organisationnel et politique d'aboutir à des résultats. Et c'est ça qui est important. Et ce qui, puisque c'est possible, il faut savoir rendre possible d'autres, disons, cas à améliorer et sur lesquels le diagnostic est déjà établi. C'est vrai que la plupart des problèmes de la Tunisie, le diagnostic est déjà établi. Le problème, c'est d'arriver à des solutions et des solutions pour lesquelles la majorité des acteurs convergent pour que ces solutions puissent être concrétisées. Je pense que, à la lumière de ces exemples, c'est valable pour pratiquement la plupart des problèmes qui se posent actuellement au pays. Et je vous remercie encore une fois pour votre participation et encore une fois, merci à Keltoum pour cette très intéressante conférence.